Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage et une nouvelle enquête. Je tiens de nouveau à vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur cette chaîne. Je suis extrêmement touchée de l'élan de solidarité que vous avez su créer autour de ces enquêtes et pour l'intérêt que celles-ci suscitent régulièrement pour vous. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des idées d'affaires que vous souhaiteriez voir étudier dans une vidéo. Et je vais de suite vous présenter le sujet d'aujourd'hui, qui est une affaire très mystérieuse qui reste irrésolue depuis de nombreuses années. Il s'agit de la disparition d'une famille entière, la famille Méchino. Donc nous avons dans cette famille plusieurs personnes qui sont représentées, dont le père, la mère et puis des enfants. Ce qui est très surprenant, c'est que cette famille a disparu aux alentours, d'ailleurs le soir de la veillée de Noël, et que nous n'en avons plus jamais entendu parler, que personne n'a su ce qu'elles étaient devenues malgré les années qui ont passé. Donc il y a de nombreuses recherches qui ont eu lieu, des suspicions qui portaient sur plusieurs personnes. Et malgré tout ceci, eh bien, nous n'avons jamais entendu parler d'une suite et nous n'avons pas eu de précision sur cette famille depuis toutes ces années. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose d'étudier ensemble avec les cartes si nous pouvons obtenir quelques précisions sur ce qui a pu arriver à cette famille. Je commence d'ores et déjà à vous présenter le Tandu afin que nous puissions regarder avec ces cartes ce que le couple pouvait représenter. Donc nous avions ici un couple qui semble rassemblé, aimant, éveillé l'un sur l'autre, avec une vraie relation de solidarité, de protection, je pense, ici. Donc au départ, tout se présente sous les meilleurs aspects. Il semblerait néanmoins que la femme du foyer se soit sentie isolée et n'ait pas pu participer à une certaine vie sociale qui l'aurait peut-être intéressée. Suite à ça, on nous montre ici une carte qui représente une relation intime cachée. Donc il se pourrait que cette femme ait cherché du réconfort auprès de quelqu'un. Malheureusement, sur elle veillait quelque chose de mauvais. Et ici d'ailleurs, on peut constater qu'il semblerait qu'il y ait une malédiction au niveau du couple, vu l'attitude de la femme et celle de l'homme. Donc je pense ici à une possibilité sur le fait que l'époux ait été mis au courant de l'infidélité de sa femme. Continuons donc avec d'autres cartes sur donc de rangée comme souvent. Alors ici, j'ai une carte qui indique que nous avions un couple qui semble ne plus regarder dans les mêmes centres d'intérêt. L'homme regarde une femme passer ici pendant que sa femme enceinte regarde de l'autre côté. Donc il semble vraiment que ce couple ait rencontré des difficultés. Des difficultés de fidélité, des difficultés dans son intimité, dirais-je. Nous allons continuer et voir ce que les cartes du Tandu veulent nous révéler de plus. Donc là, on a une corde qui craque. Donc effectivement, au départ, si tout allait bien, les choses se sont dégradées jusqu'au moment où on a eu un point de non-retour, visiblement. Avec une agression d'un homme sur une femme. Donc pour moi ici, c'est le couple dans son côté, on va dire, le plus construit, le plus ancestral par l'image que nous pouvons en avoir. Donc un couple relativement traditionnel, hein, qui visiblement en tout cas n'était pas très expansif. Cependant, la femme ne supportait plus l'homme. Hein. Ici, on voit une carte qui indique quand même une volonté de faire du mal à l'homme. Et de nouveau, une carte qui indique que le couple ne se portait pas bien du tout. Donc, on a une bonne tendance sur ce qui se passait au sein de ce couple. Déjà, avec ce tirage, on apprend clairement que, au départ, si tout se présentait bien, malheureusement, par désintérêt et par solitude, il semble que madame ait pu rencontrer quelqu'un et que monsieur ait fait de même.
Alors, je vais tirer une carte d'orientation concernant ce couple pour voir ce qu'on peut nous proposer comme panneau et comme symbole afin de voir où ils en étaient dans leur relation au moment de leur disparition. Ok, donc on est sur un couple qui était malade et qui n'était pas en bonne santé. Ceci étant dit pour le couple, je vais étendre mes recherches et prendre le jeu de haut afin, avec des cartes que vous connaissez bien dorénavant, d'avoir peut-être quelques informations sur le déroulé de la soirée après cette messe de Noël, savoir ce qui s'est passé pour eux, s'il s'agit d'un accident de voiture dans lequel l'ensemble de la famille aurait pu périr, s'il s'agit éventuellement d'une fuite de la famille pour X raisons que ce soit. On peut imaginer une fuite pour des problèmes financiers, on peut imaginer de fuir, pourquoi pas aussi, si des tromperies avaient lieu dans le couple, une certaine monotonie, et s'éloigner de la tentation, éventuellement. Donc ce que je vous propose, comme vous le savez, c'est de vous laisser un tout petit instant, histoire de préparer mes cartes, et je reviens vers vous. Je vais vous présenter donc mon tirage que j'ai effectué avec les mots et les dessins. Donc ici, c'est la coupe. Le mot « résister » se présente à nous. Et donc, ma question concerne ce qui s'est passé le dernier soir où on a vu cette famille en vie après la messe de Noël. Eh bien, il semblerait ici que quelqu'un ait fait preuve de patience et d'organisation. Il semblerait qu'on ait proposé quelque chose à quelqu'un et que la décision finale n'ait pas été dans le sens de l'instigateur. On a opposé une résistance peut-être à un certain planning, à une proposition d'événement potentiellement noté ici. En tout cas, il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord, semble-t-il, avec ce que l'on leur proposait ce jour-là. Donc on a l'attaque ici. L'attaque qui est recouverte par une mère et son enfant. Donc là, on nous parle clairement pour moi de ce qu'a pu subir la mère de famille. D'ailleurs, on nous parle d'une femme qui n'avait rien, qui était démunie ici. Certainement qu'on était face à un foyer où l'homme dominait et devait détenir la richesse du couple. Au niveau de l'attitude, alors c'est quelqu'un qui vivait sa vie de couple comme une personne solitaire, isolée. Quelqu'un qui souffrait d'un désert affectif. Et là, on nous parle d'une certaine intimité avec la salle de bain et on nous dit que quelqu'un a reculé devant cette intimité. Je pense qu'on peut nous dire ici que le couple, dans sa forme basique, n'était plus un couple aimant. J'ai l'impression ici, d'ailleurs on va voir avec le rival qui est retourné, que le rival... Alors, écoutez, j'ai deux cartes qui sont collées l'une à l'autre. Donc, j'ai la chambre à coucher. Donc, on est bien sur une carte de maîtresse ou d'amant, hein, ici. Donc, on est vraiment par rapport à une situation où on a eu du mal à continuer cette intimité de couple de par cette relation. Et j'ai également la charge, ici. Hein. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui se construisait, qui était sûrement quelque chose de solide comme relation. On ne parle pas d'une relation épistolaire, ici. On nous parle vraiment d'une relation dans laquelle chacun semble vouloir s'investir, porter sa charge, apporter au foyer. Donc le rival était quelqu'un qui avait certainement quand même un certain impact sur un des protagonistes du couple. Ici, sur l'agression, nous avons la carte de l'armée. Il se peut que dans ce couple initial, l'un des deux soit tellement, on va dire, contraint par cette intimité, qu'elle le considère comme une agression et que pour elle, cet autoritarisme figurant dans la carte de l'armée, eh bien, nous indique que lorsqu'il devait y avoir une certaine intimité, celle-ci était vécue comme un ordre et non pas comme une envie. Ici, on me montre une femme qui se force clairement et qui n'a plus de désir pour son époux. Ouais. On a eu peur d'être heureux, on a eu peur d'être bien, on a eu peur de devoir partir et reconstruire. Ici, on me montre vraiment une personne qui a hésité. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, si cette dame ou ce monsieur vivait une relation en parallèle. Mais oui, pour moi, il y a eu une relation en parallèle ou d'ailleurs dans laquelle la tierce personne, donc l'amant ou la maîtresse, a fait part de quelque chose d'important à son conjoint. Et on nous dit ici que cette personne était sage. C'est quelqu'un qui avait senti la difficulté qui émanerait de leur relation parallèle.
D'ailleurs, on voit qu'il y a la carte de l'embarras ici, avec une certaine manifestation. Donc, probablement, si je regarde une affaire sur ce sujet, si j'essaye de me renseigner via YouTube, je pense certainement apprendre que l'un d'entre eux entretenait une liaison et que ceci était connu. Donc, les gens du village étaient certainement au courant d'une relation de l'un des deux protagonistes et une relation qui devait quand même durer depuis un certain temps. On voit ici vraiment qu'il y a un embarras, mais qu'on ne dit pas les choses en face. Il n'y a pas d'interlocuteur, on est face au vide. Néanmoins, on est face à une protestation. Le chagrin, eh bien voilà, nous avons la carte de la mort ici qui survient. Donc ce jour-là, effectivement, le couple n'allait pas bien et on voit qu'il a été visiblement, en tout cas, la famille a disparu et on nous parle de faim et de mort ici. Il y a eu des choses qui ont été cachées longtemps. Hein. Pour moi, la véritable identité et intimité de l'un des protagonistes est cachée. Peut-être que l'époux était plus attiré par les hommes que par les femmes. En tout cas, on nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées avec quelqu'un du même sexe que l'un des deux protagonistes. Ce qui peut pour moi vouloir indiquer que nous sommes face à une relation où des tierces personnes sont bel et bien intervenues en se masquant derrière le visage de quelqu'un de familier et de sympathique. Et ici, on peut nous parler d'un certain ordre moral qui a contraint le couple à disparaître ce jour-là. Déjà, je trouve que ces informations sont très intéressantes et ce que je vous propose, c'est de, sans plus attendre, recouvrir, alors reprendre d'autres cartes plus exactement, hein, toujours avec le jeu de haut et changer la question, par contre, puisque là, nous étions sur la dernière soirée, ce qui s'est passé ce jour-là, qu'est-ce qui a motivé cette disparition? Eh bien, je vais poser la question, essayer de savoir qui est l'instigateur de ce départ précipité et de cette disparition mystérieuse et non résolue. Je vous retrouve immédiatement après avoir de nouveau brassé les cartes et vous en présenté de nouvelles. Allez, nous allons voir si je peux avoir des informations sur les personnes qui auraient pu faire disparaître cette famille. Ok, donc la décision semble ne pas avoir été prise spontanément. Effectivement, on nous montre un couple de personnes âgées ici. On nous montre une peur du nouveau, une peur peut-être de par rapport à la carte de l'homosexualité tout à l'heure. On peut nous représenter ici, comme souvent je vous l'explique avec ce symbole. Donc peut-être que ça peut parler de ça. On nous parle de nouveau de sagesse, mais cette fois-ci, on nous montre quelqu'un d'effrayé, donc la personne qui n'a pas suivi les conseils qu'on lui avait prodigués. Quelqu'un qui, jusqu'au bout, a pu résister et faire preuve de prise de recul, qui n'a pas montré ses véritables attentions envers sa famille. On nous dit que c'est quelqu'un qui a joué la comédie ici. Hein. Oui, donc il y a vraiment une notion d'argent. Quelqu'un, pour moi, a été payé ou il y a eu une somme de transaction qui a été donnée par rapport soit à un assassinat, soit à la disparition. Mais en tout cas, il y a vraiment eu une notion financière qui est intervenue. Et pour moi, on a voulu vraiment, la coupe était pleine, quoi. Il fallait partir, supprimer tout ce qui avait été dit comme rumeur à leur sujet. Vous voyez là, pour moi, il y a vraiment eu quelqu'un qui revient ici. Hein. On a voulu évincer une relation qui était naissante et joyeuse. Hein. Donc, je ne sais pas si ces gens vivaient dans une ferme ou aux alentours d'une ferme, mais en tout cas, le mari ou la femme était en lien avec une personne qui, semble-t-il, était agricultrice ou quelque chose dans le genre. Et cette relation a été beaucoup gênante. Hein. Donc là, on me montre une carte d'une dame dans la prostitution et le métier avec la carte du chef. Donc ce qu'on nous apprend ici, c'est qu'en réalité, au-delà du métier qui est représenté ici, c'est que la personne qui a pris cette décision est quelqu'un qui se comportait comme un proxo. Pour ne pas dire le mot qui risque d'être censuré sur YouTube, donc un proxo, voilà. Un PIMP. Et du coup, je pense qu'ici, on est face à une personne qui avait un tempérament d'esclavagiste, quelqu'un qui était très dur et qui pensait que sa femme lui appartenait, qu'il pouvait en faire exactement ce qu'il voulait. Pour moi, on a une relation d'homme à femme ici avec une certaine violence et également une certaine soumission de la part de la femme. Et voilà, ce monsieur a voulu lui faire croire en fait que les changements seraient positifs, mais en réalité, il n'en était rien. Il a menti à sa femme, il lui a fait croire quelque chose. Potentiellement, il lui a dit qu'il devait se rendre quelque part ce soir-là, mais en tout cas, il lui a menti.
Pour moi, il a eu la vie et l'aplomb et l'appui, pardon, de couples, ou en tout cas de plusieurs personnes plus âgées que lui qui sont au courant de certaines choses. Il n'est pas parti comme ça sans prévenir. Il semblerait vraiment que c'était décidé et longuement mûri. Donc il semble que l'hésitation dont nous avons ici la preuve sur la première carte ait été une hésitation plutôt par peur de réussir, d'échouer ou même peut-être de réussir dans cette nouvelle vie. Mais il fallait se débarrasser de ce qui était pesant et semble-t-il que cette nouvelle vie ne pouvait pas être réalisable en l'état. Donc pour moi, on est face à une personne qui aurait organisé cette disparition eh bien par lassitude d'une vie de couple qui ne lui convenait absolument pas. Et certainement ici, ce qu'on nous dit, par un grand manque de respect autour de la personne qu'il fréquentait. Il n'y a pas d'amour dans le couple là. On ne parle plus du tout de sentiments entre eux. Donc je pense que malheureusement, ici, ce qu'on nous représente beaucoup, c'est une carte masculine. Donc à mes yeux, en tout cas, il s'agit de l'homme de la maison qui, visiblement, a pris cette décision. Alors, en indiquant certainement un autre motif, par exemple une promenade ou quelque chose de sympathique qui a suscité la joie dans le véhicule, mais qui malheureusement aura été à l'heure. D'accord, je vais donc replier le jeu de haut pour le moment et je vais essayer d'avoir quelques informations avec le tarot de la lumière. Alors je vais procéder à un tirage en croix pour voir si effectivement aujourd'hui, avec ce tirage, on peut nous dire ce qui est advenu de ces gens, advenu de ces gens. Donc je vais passer les forces, les faiblesses, ce qui s'est passé antérieurement et qui a toujours un impact aujourd'hui, et puis une conclusion ici. Je vais prendre une carte également de coupe, et ici j'ai le monde qui arrive renversé. Ce qu'on nous apprend donc d'ores et déjà avec le monde renversé, eh bien malheureusement, c'est que la nouvelle n'est pas bonne. On nous parle d'une victoire qui a été retardée et on nous dit ici que la personne qui est intervenue est une personne qui se sentait insatisfaite, quelqu'un qui avait l'impression de vivre dans l'isolement et dans les tromperies, dans le mensonge. Voilà pour la coupe. Donc là, aujourd'hui, le roi d'épée, deux de coupe. Reine de coupe, roi de bâton et cavalier de coupe. Aujourd'hui, on est dans la coupe, hein. Donc, avec le roi d'épée, ce fameux roi qui siège au milieu et qui nous parle un peu d'un lien, d'une continuité avec le présent dans cette affaire. On nous explique qu'il y a eu une stratégie. Comme je vous le disais, il semblerait que ce ne soit pas une action isolée et non réfléchie. Ça confirme le tirage précédent, on nous parle d'autorité et on nous dit que cette décision a été faite en toute impartialité. On nous parle aussi d'un homme très exigeant et qui serait extrêmement dur en affaires. Voilà ce qu'on peut nous dire. Alors le 2 de coupe qui arrive comme les forces qui pouvaient être liées autour de cette famille nous parle d'amour et nous parle d'amitié renouvelée. On nous parle également de passion, de collaboration et d'une relation qui est pourtant, contrairement à ce qu'on nous disait précédemment, était une relation à la base qui était fiable et très sérieuse. En tout cas, c'est ce qui était la force de ce couple à l'époque, c'était leur amour et leur collaboration qui semblait très bien se passer. Alors, au niveau de la reine de coupe ici, qui représente la faiblesse de ce couple, vient nous parler de justement quelque chose de trop sensible. On nous dit ici que l'un des deux protagonistes, ou peut-être les deux d'ailleurs, faisait preuve certainement d'un mutisme parfois et d'une empathie portée au mauvais niveau. C'est-à-dire qu'on ne réalisait peut-être pas dans cet huis clos de couple que l'un des deux était très malheureux. On nous parle de superficialité, en fait, ici. On nous dit que les échanges n'ont pas été pris à leur juste valeur. D'ailleurs, on nous parle d'une certaine aussi immaturité sentimentale. Le roi de bâton influence toujours, ici, avec sa position renversée, et nous parle de personnes qui sont incompétentes et qui surtout ne sont pas fiables. On nous dit que ce sont des gens qui sont intervenus dans ce domaine et qui ont participé à cette disparition,
mais qui ont fait preuve d'un leader, qui ont eu besoin d'être organisés parce qu'eux-mêmes n'étaient que des exécutants et qu'ils n'avaient pas l'équilibre mental pour réussir à faire disparaître une famille entière. Et donc en conclusion, avec le cavalier de coupe, on nous parle d'un idéalisme et on nous dit ici que la personne qui est intervenue avait besoin d'un amour qu'elle n'arrivait plus à retrouver dans son couple. Je vais ajouter quelques cartes afin de pouvoir obtenir peut-être quelques renseignements. De nouveau le monde renversé, hein, ça se confirme. Le 7 de coupe renversé, le pape et deux autres cartes, le valet de coupe et le 3 de denier renversé. Donc effectivement, comme je vous le disais, avec le roi de bâton à l'envers, on était sur quelqu'un qui n'était pas fiable, quoi. Et là, on nous dit, avec l'as de coupe qui lui aussi arrive renversé, eh bien, on nous confirme ça et on nous parle d'émotions refoulées. On nous dit ici que la personne qui a été à l'initiative de tout ça est quelqu'un qui est resté frustré bien trop longtemps et n'a pas pris parole au moment où il aurait dû. Donc, il y a eu quelque chose en lui qui a craqué. Pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui, en quelque sorte, si j'ose dire de manière triviale, pète un plomb. Ici, avec la carte du monde renversée, on nous parlait déjà tout à l'heure de cycle inachevé et d'isolement. Donc, on est face quand même à quelqu'un qui a pris sur lui, on dirait, pendant longtemps, avant d'avoir cette espèce de coupure au niveau du cerveau et quelque chose qui lâche par mal-être, par trop de mal-être. Ici, le 7 de coupe renversée, lui, nous parle de rêves qui mériteraient d'être clarifiés, de choses qui pourraient être abordées, de conversations qui n'ont pas lieu et qui devraient l'être, car elles sont très importantes. Et elle vient compléter cette carte, le cavalier de coupe, qui lui parlait d'idéalisme et de quête de l'amour, parce qu'en fait, on s'est entretenu dans une relation où les protagonistes, en fait, ne se montraient pas tels qu'ils étaient. Pour moi, il y a eu vraiment une désharmonie au moment où les deux ont appris à se connaître et à vivre ensemble. Ici, on nous axe beaucoup le jeu sur des problèmes sentimentaux. Alors, je vous disais, bien sûr, que c'est pas forcément les choses que j'aime le plus étudier, mais néanmoins dans cette affaire nous sommes obligés de nous montrer quelque peu intrusifs et de rentrer dans cette vie de couple. Et le pape nous apporte ici une notion de croyance religieuse. On nous parle peut-être de quelqu'un qui aurait pu avoir une certaine appétence pour la foi et qui aurait pu peut-être être un guide spirituel, être quelqu'un qui est relativement conformiste. Pour conclure ici, j'ai le valet de coupe et le 3 de denier. Donc ce valet qui vient nous parler, puisqu'il est à l'endroit, cette fois-ci, d'une personnalité qui est plutôt fiable, quelqu'un qui est plutôt persévérant, qui fait preuve de grand pragmatisme, une personne plutôt jeune qui avait peut-être notion d'un conseil, quelqu'un qui lui aurait parlé. En tout cas, lui, il semble ne pas avoir eu envie de participer à cette soirée parce qu'ici, on nous dit que ce jeune homme savait que c'était une mauvaise collaboration et avait conscience du danger qu'il encourait. Donc, dans la famille, il semble que quelqu'un qui est embarqué dans le véhicule ce jour-là ait une notion qu'il ne réapparaîtrait pas. Et il semblerait ici qu'on nous parle d'un jeune homme. Donc pour moi ici, les choses se dessinent petit à petit. On me fait clairement ressentir que l'homme de la maison a dû, alors on va rester sur le potentiel, aurait en tout cas pu apprendre une certaine tromperie de la part de sa femme. Alors à me confirmer si vous le voulez bien, car je n'en ai pas la moindre certitude. Je vais me reporter au tarot des oppositions afin de finir ce tirage concerné à cette famille et je vais essayer de localiser un petit peu, si je peux, avec les dessins, ce qui a pu se passer. Donc ici, on nous parle du diable, hein, clairement. Donc le diable dans ce sens qui est plutôt rattaché quand même à la spiritualité et à un ange, à son côté, voilà, originel. On a le magicien, le soleil, le monde, le 9 de coupe, le 8 de coupe, là on a le 2 d'épée, le 10 de coupe, le roi de pentacle, la tour, et je vais prendre deux autres cartes.
Donc ici, on a le 10 d'épée retourné et enfin la reine de bâton qui arrive également à l'envers. Donc ce tirage est intéressant puisqu'il est effectivement très complémentaire, encore une fois, avec celui que je viens de vous présenter. On apprend avec la carte du diable que les choses ne se sont pas présentées comme elles devaient l'être. C'est-à-dire qu'on est face à une situation non seulement de mensonge, mais dont on a enjolivé les choses. On a voulu faire croire que les choses se passeraient de la meilleure des manières. Ici, on a parlé peut-être d'enjoliver à tel point les choses que ça pouvait faire penser à une soirée magique, à beaucoup de joie, qu'on découvrait des nouvelles qui n'étaient pas prévues. On a dû parler de cadeaux qui avaient été peut-être installés pendant ou avant la messe. En tout cas, on nous parle ici de quelque chose qui a été raconté, qui a été un peu enjolivé aux témoins en fait et aux personnes qui étaient présentes ce jour-là. Pour la carte du magicien, ici, on nous dit qu'il y a une énergie qui est plutôt positive de créativité autour de cette famille et qu'il y avait, semble-t-il, une volonté de passer des accords. On nous dit que les choses étaient plutôt bien parties et que toutes les cartes étaient en main pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Néanmoins, on nous parle aussi de choses qui ont été cachées ici. Et on nous dit qu'il était temps de faire attention et de montrer aux autres, de se montrer à l'autre comme on est réellement. Donc il y a ici quand même de nouveau une notion de tromperie, en tout cas sur la personnalité. On nous dit que quelqu'un s'est joué de l'autre et ne s'est pas montré sous son vrai visage. Et ça, c'est quelque chose qui aurait provoqué, semble-t-il, un grand problème dans la suite. Avec le soleil, pourtant, tout était prospère et avait tendance à vouloir croître de la meilleure des façons. On nous parle ici également de la croissance de soi, puisqu'on voit qu'il y a un enfant au milieu des tournesols. On nous dit ici que l'union dans la famille et dans la société est le reflet de l'énergie positive que la personne semblait renvoyer. Donc, pour moi, ici, de nouveau, une carte plutôt positive qui vient nous dire qu'initialement, tout était réuni pour que dans cette famille, les choses se passent très bien. Par contre, le monde qui nous apparaît ici nous parle de leadership, on nous parle de résolution de problèmes. Donc, il semblerait que malgré cette bonne ambiance, il y ait eu quand même des choses à résoudre qui étaient relativement importantes et qui impactaient la paix et la joie de ce couple. On nous dit ici qu'il y a eu besoin de faire une coupure et que cette coupure a été salutaire. D'ailleurs, on nous montre ici un temps très clair et plutôt une carte qui est fluide hein, et qui montre un certain côté lumineux. Donc, on nous dit que les choses étaient en bonne voie ici pour s'arranger, quoi. Alors, nous avons après le 9 de coupe et ce 9 de coupe arrive renversé. Ici, il nous dit que la fin qu'on espérait pour le couple, hein, c'est-à-dire que le côté « on s'engage pour la vie » n'était pas possible. On nous dit que l'un des deux protagonistes aurait dû faire preuve de moins de vanité. Et on parle aussi d'un attachement à deux vitesses ici, donc les personnes qui ne s'aiment pas au même niveau. On nous dit aussi qu'il y a des attentes qui sont bien trop élevées de l'un sur l'autre. Donc il y a eu une déception au niveau du couple. Et quelque chose qui a été vraiment très superficiel a fini par détruire l'objectif commun qui s'était fixé au départ. Ensuite, nous avons le 8 de coupe qui arrive à l'endroit cette fois-ci et qui nous parle de la mesure de la force que nous pouvons mettre en place, qui parle de quelqu'un qui arrive à s'en sortir malgré les accumulations de sa vie passée, quelqu'un qui arrive à surmonter les choses. On nous dit ici que tout est temporaire dans la vie et surtout en ce qui concerne les problèmes d'argent. Et du coup, on invite les personnes ici à se montrer calmes, à ne pas surréagir face à un problème matériel. On nous dit que l'un des protagonistes avait besoin d'espace, de solitude et de liberté ici. Donc potentiellement une vraie volonté de fuir pour l'un des deux. Mais on va voir ici avec le 2 d'épée ce qu'on peut nous apprendre comme information complémentaire et en réalité, nous allons vite découvrir que ce qui s'est produit ici, eh bien, c'est que la tentation a été trop forte par rapport
par rapport à ce départ. On nous dit ici que c'était le moment en fait de céder à la tentation pour ce protagoniste, que celui-ci a été tellement déçu par son entourage, par leurs mensonges et par les disputes qui étaient sous-jacentes qu'il n'a plus pu faire autrement. On nous dit aussi ici que quelque chose a été caché et qu'on en a parlé entre quatre murs en secret. On nous dit qu'il y a des conséquences très négatives sur le chemin de cette personne et que malheureusement, lui non plus semble ne pas s'en être sorti, en tout cas pas comme il le souhaitait. Donc on voit que la personne instigatrice a eu un retour de karma, semble-t-il, ou en tout cas un gros problème par la suite. Avec le 10 ici qui apparaît, le 10 de coupe renversé, on nous dit qu'une crise morale, c'est-à-dire une crise de valeur familiale a eu lieu, qui a eu une conversation autour de ça et qui a été très importante dans la vie des protagonistes. D'ailleurs, ces protagonistes ont entendu l'impact et celui-ci était vraiment triste. Donc il y a eu menace, il y a eu insulte, je pense, et en tout cas, il y a eu vraiment bris de vaisselle, colère. On nous parle de division, de mésentente, et on nous parle vraiment de querelles qui sont limitées par la... Comment dirais-je? C'est des querelles qui sont instiguées par un manque de compréhension de l'un et l'autre des partenaires. Voilà ce qu'on peut me dire ici avec cette carte qui, effectivement, peut nous donner quelques informations sur ce qui a pu se passer. Et donc après, nous avons le pentacle qui arrive avec le roi. Ce roi qui ici est à l'endroit et qui nous dit que c'est un triomphe et que les choses ont bougé. Il semble que les choses se soient tempérées et que la notion financière, en tout cas dans le couple, semblait tant bien que mal être relativement adéquate ou plutôt mieux maîtrisée. On nous dit ici aussi que si la personne avait respecté les règles, eh bien, il n'y aurait pas eu de disparition. On nous dit que quelqu'un a manqué à son devoir de management, entre guillemets, dans son couple, dans son royaume. Nous sommes sur la carte du roi. On nous parle aussi de quelqu'un qui était déterminé et qui était plutôt quelqu'un de généreux, qui avait pour habitude de faire face aux difficultés de la vie. Et cette personne, par manque de choix, n'a pas pu faire autrement que craquer. Voilà ce qu'on dit. Nous avons après la carte de la tour qui nous invite ici à voir le côté négatif de celle-ci avec une lumière divine qui semble ressembler à une attaque chimique ou à un incendie et qui détruit la maison, le foyer et l'âme des protagonistes. On nous dit ici que tout est sans dessus-dessous et que tout s'arrête. On nous parle de la fin des convictions, des croyances, de la confiance. On nous parle d'une fin de collaboration et on nous parle de rigidité ici. On nous dit vraiment que les choses sont allées de mal en pire et que nous avons appris petit à petit que dans ce foyer, eh bien, les apparences étaient vraiment trompeuses. Avec le 10 d'épée qui se présente par la suite et qui va continuer à confirmer ce que je viens de vous dire, on nous dit que, eh bien, il y a eu donc cette terrible période ici de remise en question et qu'à son issue, eh bien, les choses ont été couronnées de succès pour un des protagonistes, donc celui qui a pris la route. On nous dit qu'il a pu tout planifier à ce moment-là. Et qu'il y a eu effectivement des nouvelles, il a appris des choses complémentaires, il a enquêté. On nous dit ici qu'il a été prêt à tout changer pour avoir un meilleur futur, rejoindre le rêve qu'il avait par rapport à sa famille. On nous dit vraiment qu'il a voulu faire quelque chose de différent que ce qu'il connaissait dans sa vie présente qui ne lui convenait pas. Il a vraiment espéré le retour de la lumière. Il a eu besoin d'avoir des intentions plutôt favorables sur son foyer et il avait besoin de recommencer à zéro. Pour moi, on nous parle du mari. Et donc là, avec la reine de bâton, donc c'est intéressant puisqu'on a un roi puis suivi d'une reine de nouveau. Donc là, c'est vrai que ça me parle. Et que pour moi, ici, on nous dit que cette femme a rencontré vraiment des grosses difficultés.
qu'elle a été blessée par un homme ou par plusieurs, et que dans son passé, il y a même un homme et des femmes qui ont déjà essayé de lui faire du mal. On dit que c'est quelqu'un qui a pu être influencé et qui malheureusement est tombé dans une spirale négative, qui n'avait plus confiance en elle. On nous dit que c'est quelqu'un qui a été conditionné dans son couple et qui physiquement et émotionnellement était épuisé. On nous dit que cette personne aurait dû être vigilante et se montrer vraiment tenace sur ses décisions. On nous dit également qu'elle aurait dû faire preuve de plus d'amour-propre. En fait, ici, on nous oppose un caractère plutôt doux et effacé à un roi qui, lui, était plutôt impulsif. On nous dit ici que cette dame était en grand manque affectif dans sa vie de tous les jours. Voilà ce que je pouvais vous apporter comme petites informations au sujet de la disparition de la famille Méchino. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos retours et éventuellement de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde ici. Merci de bien vouloir vous abonner à la chaîne si tel n'était pas le cas et de la liker également, car ceci peut beaucoup m'aider dans ma manière de pouvoir vous proposer des sujets à venir. Et d'autant plus si je fais augmenter mon référencement, il me semble que je pourrais obtenir une rémunération via YouTube qui me permettrait d'investir notamment dans un micro afin de vous proposer des vidéos de meilleure qualité, car j'ai bien conscience que pour l'instant l'audio n'est pas toujours au top. Merci en tout cas d'avoir été là. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.